Lors d'un premier voyage au Kenya, je suis tombé amoureux de la faune sauvage et depuis 1990, j'y retourne régulièrement tous les ans. Cette année, je n'y retourne pas parce que je dois commercialiser mes photos. Ça coûte de plus en plus cher de rester là-bas. L'entrée des parcs est excessivement chère. Nous sommes taxés en tant que photographes, même amateurs. Donc maintenant, il y a nécessité de vendre les photos pour pouvoir retirer un petit peu quelque chose pour pouvoir financer les prochaines expéditions. Nous avons un 4x4 aménagé. Nous sommes autonomes en eau et en carburant pendant 15 jours. Donc nous suivons les animaux, surtout les félins. Et depuis toujours, c'est toujours les mêmes familles. Et donc tous les jours, du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil, nous restons avec eux en permanence. En général, il y a 50% de photos qui sont inutilisables. Et sur les 50% qui restent, évidemment, il y a des coups de cœur. Bon, il reste à peu près 20%. Alors les projets, c'est donc de finir de trier les 40 000 photos que nous avons dans l'ordinateur, de les présenter à des agences spécialisées, notamment l'agence Bio qui est à Avignon, et essayer de faire une maquette de livre pour le proposer à des éditeurs. Je faisais ça par passion, uniquement par passion. Mais bon, je me répète, il faut que j'arrive à vendre quelques photos pour pouvoir payer une partie des frais. Je voulais aller photographier les lémuriens à Madagascar. Mais bon, ça me semble très compliqué d'y aller à l'improviste, ça se prépare longtemps à l'avance pour avoir des autorisations. Et je voulais aller photographier le petit panda roux qui est au Tibet, en Chine et en Inde. Et là, pareil, il faut beaucoup d'autorisations pour pouvoir être libre et poursuivre les animaux à la trace, c'est le cas de le dire. Pour rester avec eux, il faut des autorisations, c'est très compliqué. Donc pour le moment, on va rester axé sur les animaux d'Afrique. Si les gens souhaitent des posters, nous vendons des posters, des retirages de ces photos ou d'autres photos qu'ils n'ont pas vues, qui nous contactent. Et s'ils veulent des renseignements pour aller faire un safari au Kenya, on peut leur donner des renseignements, des bonnes adresses. Je voudrais faire une expo sur Nîmes, Montpellier et Avignon. Ici, il y a des représentants de ces communes-là qui sont intéressés et qui nous contactent.